Yahoo Bidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et ça va être une vidéo achat manga. À savoir que pour la vidéo, là j'ai claqué déjà 100€ sur mon budget de 200 du mois. Tout va bien. Et en plus le pire c'est que je suis un petit peu con parce que ces mangas là j'aurais pu les acheter un peu plus tard. Parce que ce sont des lectures que je vais faire éventuellement en octobre. Bon, je me dis que j'ai un peu tapé dans le budget d'octobre mais que j'ai quasiment toutes mes lectures. Quasiment toutes mes lectures pour le mois d'octobre. Donc bon, voilà, mais c'est, on est à peine là dimanche 3, le jour où je filme. On est dimanche. Et bah, j'ai déjà claqué la moitié de mon budget. Ça pique, voilà. Donc la vidéo va être divisée en 3 temps. La première partie, les mangas d'occasion. La deuxième partie, le manga, un seul manga acheté en japonais. Et troisième partie, les mangas achetés en neuf. À chaque fois, je les présente dans l'ordre des maisons d'édition, donc ordre alphabétique. Akata en premier et Taifu ou Vega par exemple en dernier. Voilà. C'est pas une ordre de préférence mais par maison d'édition. Donc pour ce qui est des mangas d'occasion, j'en ai acheté 4 sur une intégralité de 6 tomes sur le site de Momox. A savoir juste que j'ai lu les 2 premiers tomes en format numérique. J'avais les 3 premiers mais je me suis arrêtée au tome 2 tout simplement parce que je les ai lus pendant mes vacances que j'ai eues donc en août, il y a 2 semaines de ça, quasiment. Et donc, bah, tout simplement, j'ai acheté l'intégralité. Il n'y avait que 4 tomes sur les 6 en occasion sur Momox. Donc, j'ai pris les 4 et puis les autres, je les ai achetés en 9 du coup. Et ma journée shopping, c'était vendredi dernier. Là. Voilà. Donc, on a... c'est la série, pardon, Le Couvent des Damnés. Donc, je vais juste te montrer le tome 1 et la qualité de dessin, surtout. Parce que je venais de filmer la vidéo, j'avais presque fini, mais je t'ai montré aucune qualité de dessin. C'était un peu... voilà. Voilà. Et je vais juste te montrer une page un peu plus loin pour que tu puisses voir d'autres types de personnages. Voilà, on va s'arrêter avec ça. Donc voilà, j'ai enfin commencé Le Couvent des Damnés. Et donc ça, tout ce qui est soit les tomes 1 que je vais te présenter dans la partie 9 surtout, et celui-ci, ce seront des présentations donc du coup pour le mois de novembre. Donc le tome 2. Le tome 4 et donc le tome 5, voilà à quoi ressemblent les jaquettes. Et donc j'ai acheté les 2 autres volumes manquants en neuf. Ensuite, en occasion à Cash Express, et là ça a été quand même une petite douille, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait j'ai acheté des mangas qui ont été revendus à Cash Express par une copine et je lui avais dit de m'envoyer les photos des titres qu'elle avait à revendre parce que si ça se trouve j'allais pouvoir lui en racheter et donc forcément racheter un peu plus cher sûrement que ce qui a été pris, elle, pour elle, à Cash Express, et moi, moins cher peut-être que Cash Express. Bref, toujours est-il, j'ai pris du coup les deux yaoi qui étaient, donc c'est des éditions de Taifu, et c'est A Beautiful Sunday, et Goodbye Irony Dress. Voilà. Hop. Donc pour ce qui est de la qualité de dessin de Goodbye, ah oui, donc ça c'est un mec, on nous le dit directement qu'il est déguisé, enfin déguisé, ouais, je crois que c'est utilisé ce mot-là en lycéenne. Habillé en lycéenne, d'accord, pas déguisé. Voilà, et pour A Beautiful Sunday... Et on va vous montrer une dernière. Voilà. On termine côté occasion. En fait, j'avais oublié de te présenter ces deux titres. Je les avais mis dans les achats neufs alors que c'est bien des achats d'occasion. J'ai acheté les 2 premiers tomes du Le Bateau de TC. Je n'ai pas acheté le tome 3 alors qu'il était disponible tout simplement parce que j'avais peur de ne pas apprécier. Mais j'ai acheté quand même le tome 2 en me disant que, bah, à mon avis, il fallait plus que le tome 1 pour pouvoir s'intéresser à cette série. Donc j'ai pris tout simplement aussi le tome... Enfin voilà, le tome 1. Donc aussi, je me suis intéressée au bateau de TC tout simplement parce que dans les questions avec les éditions Mangetsu, si tu regardes bien la vidéo où il n'y a que les questions qu'on a eues, et ben en fait, on avait une question qui était citer le nom justement de l'autre œuvre qu'avait écrit l'auteur et qui n'était pas chez Mangetsu, mais bien chez les éditions Vega. Et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, et quand je l'ai vu en occasion, je me suis dit que c'était un signe. Donc
Ensuite, on passe au manga acheté en japonais et c'est le tome 1 de Blue Lock, donc des éditions Pika. Là, du coup, je l'ai pris en Jap. Il a coûté 10,90€. Ils sont tous au prix de 10,90€, peu importe les boutiques. Enfin, à part si tu te fais entuber, très clairement. Et je l'ai acheté par curiosité, par envie de collection. Et n'hésite pas à me dire si tu veux qu'on fasse une vidéo comme je faisais autrefois où je montrais du coup les différences entre la version française et Jap. On passe maintenant aux achats faits en neuf. Et là, il y en a eu beaucoup. Un peu trop peut-être. J'ai acheté le tome 1 de Love Mix Up. Alors très clairement, tu vas avoir mon avis donc de l'estrée cette semaine, donc ce week-end. Dimanche, techniquement, ou samedi, je sais pas encore. Mais tu as la réponse, du coup, je l'ai acheté et j'ai vraiment adoré l'estrée, je le trouve très original. Et ça, c'est un manga parfait aussi pour la rentrée scolaire. Voilà. Voilà, voilà pour ce qui est du dessin. On continue avec les éditions Doki Doki où j'ai acheté deux séries chez eux. Oui, c'est rare. J'ai pris Les Promeneuses de l'Apocalypse. Ça, je crois que la vidéo est déjà sortie sur la vidéo Extrême Manga, j'achète ou pas. Et donc, j'ai craqué pour le tome 1. Je vais te montrer vite fait la qualité de dessin, mais si tu en veux un peu plus, bah, j'ai fait une vidéo, quoi. Et comme par hasard, c'était pas les premières pages qu'on a eues en estrée. Voilà, une fois de plus. Merci Doki Doki de nous entuber. On continue et termine avec les éditions Doki Doki avec les deux premiers tomes de Sao Tome. Donc à savoir juste que je les ai lus en format numérique. D'accord ? Et donc du coup, pareil, ma vidéo sortira sûrement en novembre. Et voilà, j'ai lu les deux premiers tomes en format numérique, donc j'en ferai une critique. Et comme je sais que la série est terminée en 10 tomes au Japon, je crois que c'est sur le point de se terminer aussi en France. La vidéo sera par contre pour le mois d'avril, parce que le mois d'avril, il y a la journée internationale du sport. Voilà. On continue du coup avec les éditions Glénat. Et donc voici le tome 6 du couvent des damnés et le tome 3. Je préfère la couverture 3, personnellement. Chez les éditions Kana, j'ai pris le coffret, l'édition collector de Sexy Cosplay Doll, donc avec un artbook exclusif et édition limitée avec, tu vois qui est derrière. Donc ça, je crois que je l'ai dit en... Non, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais à savoir que j'ai le tome collector aussi, tome 8 de Blue Lock, et j'ai Free Rain en tome collector. Et ce que je pense faire, c'est faire dans le mois de septembre une vidéo où j'ouvre les trois, où tu vois à peu près à quoi ressemblent les trois. Même si c'est un peu con parce que les deux autres seront déjà passés, je pense, au niveau des éditions et de pouvoir les retrouver. Mais voilà, je me dis que ça peut être plutôt sympa. On continue avec les éditions Kazé où j'ai acheté quand même 4 mangas. Donc on va avoir Recueil d'histoires courtes, qui est tout simplement un recueil d'histoires courtes par les auteurs de The Promised Neverland. On reconnaît à l'arrière. C'est marqué découvrir dans ce recueil 4 histoires réalisées par donc les auteurs de The Promised Neverland, ainsi que l'épilogue de la série phare. Voilà, en gros, à voir ce que ça donne. Mais j'avais très très hâte de voir ce que ça pouvait valoir. Et comme j'avais tenté Miroir, pourquoi pas aussi tenter le recueil. Et ensuite, petite histoire assez drôle quand même en ce qui concerne ces achats-là, c'est tout simplement que j'ai acheté 2 des 3 volumes de Kaiju pendant mes vacances. Donc je t'explique un petit peu, tout simplement, pendant les vacances, j'étais un petit peu en rade de manga, et avec mon père et mes parents et même les gens chez qui on était, on a cherché en fait à trouver des librairies ou quoi autour des endroits où on allait, pour pas demander à faire un grand chemin ou quoi que ce soit, juste pour moi, etc. Et donc en fait, j'ai trouvé des mangas justement qui m'intéressaient, qui étaient pour moi. Donc j'ai trouvé le tome 3 de Keiju, sauf qu'en fait je n'ai lu que le tome 1, donc je pouvais pas le lire. Et après, au retour, sur le chemin du retour, j'ai trouvé le tome 5 de Keiju numéro 8. Est-ce qu'on en parle du fait que du coup je pouvais pas lire ni le tome 3 ni quoi que ce soit, parce qu'en plus, j'aurais pu éventuellement lire le tome 3, mais je me retrouvais coincée parce que j'avais pas le tome 4 et j'avais le tome 5. Et donc, là on est dimanche, donc vendredi, je suis allée sur Bordeaux et donc j'ai acheté aussi le tome 4, comme ça je n'ai pas de trous, parce que ça c'est une angoisse phénoménale quand t'as des trous comme ça. Après t'es là, merde, est-ce que c'est
Est-ce que je me suis pas trompée quand j'ai noté mes mangas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai vraiment le volume en question ou pas? Donc du coup, j'ai complété et j'ai 3, 4, 5. Et comme ça, j'aurais plus qu'à acheter le tome 6. Je crois qu'il est sorti. On continue avec les éditions Kiun et j'ai craqué pour le tome 1 de Silence of Life. C'est donc un manga qui va parler de l'univers des mangaka, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il m'intéressait. Et lui, du coup, je le lirai en octobre et je le présenterai du coup en novembre. Ce octobre, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter pas mal... novembre, pardon. Je vais techniquement, j'espère, pouvoir te présenter pas mal de critiques tome 1, tous ceux que j'aurais achetés là ce mois-ci. Et je vais te présenter aussi en novembre pas mal de mangas sur deux thèmes en particulier. Ça va être donc sur le harcèlement scolaire parce que la journée internationale est le 16. Et en fait, à partir du 20 novembre, il y a une coupe de foot. Et je sais plus si c'est Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe de... Hein, je m'en fous complètement. Mais il y a un truc de foot, donc je te présenterai après tous les mangas de foot possibles. Sachant qu'on a Mayball, que j'ai un autre... qui est, alors je sais même plus la maison d'édition, mais un shoujo. Et j'ai un autre manga que je viens d'acheter, donc je vais pouvoir t'en présenter quelques-uns. C'est rien, c'est le vent. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble au niveau de la qualité de dessin. Je vais essayer de t'en montrer quand même un peu plus. On a quand même des beaux décors. Hein. Regarde. Et donc là, je suis mais alors refait parce que forcément cette histoire de foot, je suis au courant depuis un petit moment qu'il y a cette journée, enfin qu'il y a cette espèce de compétition, enfin qu'il y a ce truc de foot. Et je m'étais dit ah bah tiens justement il y a Mayball qui va pas tarder à se terminer et il y a le titre Shoujo dont je t'ai parlé que je dois relire depuis très très longtemps parce que je l'ai lu au tout début. Je sais même pas si ma chaîne manga existait réellement ou si c'était, enfin c'est un truc dans le genre. Et sauf que ce titre-là, il est stoppé au niveau commercialisation en format normal. Et cet été, bah, Kiun l'a ressorti, réimprimé, mais version grosse brique. Voilà, mais ça, tu as donc les deux tomes pour le prix en plus de 3,99€. Sachant que je crois qu'ils sont à 6,90€. Le tome 1 et le tome 2, comme il est rare, il est à 17€, un truc comme ça, je crois, même sur Amazon. Bref, toujours est-il, je suis très content. Comme ça, j'ai le manga, c'est un shonen de Kiun. Et je vais pouvoir t'en parler, même si j'avais pas trop aimé, parce qu'il ressemblait beaucoup à un autre titre, justement, que j'avais déjà présenté. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais abandonné très vite, parce que j'avais dit que c'était une copie d'un autre titre en particulier. Mais là, je me dis que je vais recommencer à le lire et te le présenter, parce que, donc, du coup, il y a cette fameuse journée de foot. Je crois que justement il me faisait penser au fameux shoujo dont je te parle depuis tout à l'heure. Oh, tiens, un personnage de plus. Voilà, et je vais essayer quand même de te montrer un match de foot à part la page là de tout à l'heure. Je crois que c'était celle-là que je t'ai montré. Voilà. Voilà. Donc bref, ça aussi je t'en parle du coup en novembre. J'ai un one-shot du coup à lire et qui est des éditions au Makebook. Et ça s'appelle, Clover, Cinderella. Moi, j'écoute, c'était Lover et que ils avaient fait une boucle pour faire joli. Mais non, c'est Clover, Cinderella. Donc, c'est un one-shot de Omakebook. Voilà, pour un public averti parce que je crois qu'il y a d'érotisme, un truc comme ça. Ouais, il y a des scènes un petit peu itchy. Bon, je parlais pas de ça, je parlais d'autre chose. Ah, c'est qu'il y a des scènes charnelles, ok. Bon, bien entendu, c'est du 16, hein, c'est pas du 18. Mais c'est à prendre en compte. Voilà. Donc, c'est tout en ce qui concerne Clover Cinderella. On continue avec deux Yuri que j'avais en retard au niveau de mes achats. Et donc, je te ferai une double présentation en novembre. On y croit. On y croit à ça, c'est tout. Voilà, faut y croire. Donc, voilà la qualité de dessin. Mais je t'ai pas montré la couverture. En voilà, hein, gros. Hop là. Alors, le titre c'est Tropical Fish Year for Snow. Year for Snow, what? On va dire que t'as compris le titre, hein, parce que très clairement, je ne suis pas capable de prononcer l'anglais. Je suis une catastrophe. Et quand ils comprendront qu'il faut mettre des titres en français, les maisons d'édition, il faudra qu'ils m'appellent. Hein.
leur donne mon 06 quand ils veulent, hein, pour me, même m'envoyer les vocaux pour me dire comment prononcer leur titre. Ensuite, Entre Soi de Taihu. Voilà. Alors ça et l'autre, je sais que les tomes 2 sont sortis. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Et ça, j'ai adoré la qualité de dessin qui était très spéciale, très particulière et très changeante. Voilà. Voilà, pour ce qui est des grandes lignes. Et comme je sais que ça vous a plu la dernière fois, on va ranger ensemble les mangas du coup. Alors ça, je sais qu'il est terminé. Donc, tu vois le problème ou pas? Ça, et ça, en fait, ce sont... Et ça, là où il y a aussi ma brume qui est un parfum en fait de... C'est d'ambiance, etc. Mais qui me calme au niveau des odeurs. Tout ça, c'est les trucs que je dois filmer, en fait. Je vais les mettre sous toi parce que le tapis de marche, je l'ai utilisé ce matin, c'est bon. Je peux refoutre le bazar dessous. Mais ça, ce sont les mangas que je dois filmer aujourd'hui ou du coup, là, prochainement. Puissant Dragon Vegan, En Attendant Lundi, L'Imprimerie des Sorcières, Les Enfants d'Hippocrate. Voilà, pour te donner une idée. J'ai d'abord filmé Les Enfants d'Hippocrate parce que c'est le plus important vu que c'est du normal. Et après les autres c'est pour Halloween donc on s'en fout. Ici il reste encore... il y a le dragon et la nonne. J'ai Orient. Éventuellement ça pourrait être bien quand même que je le filme celui-là. Et j'ai le reste de L'Imprimerie des Sorcières. L'Imprimerie des Sorcières est quand même aussi top. Et j'avais le hentai mais j'ai juste pas rangé. Sinon je l'ai bien présenté celui-là. C'est Séjour Précieux. Donc lui, il va dans le petit cube. Petit cube qui est un petit peu occupé en ce moment. Donc on va un petit peu attendre. Je vais me remettre de... Voilà, histoire que... Et si tu te poses la question, oui, en ce moment, ça va pas forcément bien. Je l'ai expliqué sur Insta, mais au cas où... à savoir quand j'ai fait un système de barème sur une journée, donc 19-20 c'est TS, voilà, je suis en train de faire une TS ou presque, et à partir de 15 je fais des bêtises, donc me mordre ou autre chose, voilà, et au-dessus, donc 15,1, voilà, 15 non. Et donc depuis le début du mois d'octobre quasiment, non peut-être pas la première semaine, mais la semaine avant que je parte en vacances, ça c'est sûr, et la semaine où je suis partie en vacances, plus la semaine qui est passée là, et ben j'ai eu des pics une fois par jour, comme ça pendant une heure, où, et c'est arrivé jusqu'à deux fois par jour maximum, où j'avais des pics où j'étais quand même à 15. Donc voilà, donc c'est pour ça que là je me mets une odeur pour me calmer un petit peu. Donc ça, on va le mettre là parce que c'est les trois yaoi que je vais te présenter cette semaine. Donc tu auras La Fleur de l'Âge, Play After Call et Mon Voisin le Métalleux. Et voilà, ça c'est un petit peu mon bazar, mais ça j'ai présenté, faut juste que je filme le Fasta, donc je vais le mettre sur le vélo. Des extraits que je dois te présenter, on va le mettre sur le vélo, ça va là. Donc ça c'est bon. Ouais, sauf que là... La ligne pour les séries qui sont terminées, elle est presque remplie. Voilà. Déprime. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'étagère est en train de se finir. Enfin, il n'y a presque plus de place et moi, j'ai pas vidé. En lisant. Voilà. Parce que tu rachètes, Ibi. On avait dit qu'on n'achetait plus, qu'on achetait une nouvelle série, qu'on sortait une nouvelle série. Parce que quand tes nouvelles séries, elles sont en 10 tomes et tu te dis, bah c'est que le tome 1, donc éventuellement. Ben non. Non, Ibi. Pas éventuellement. T'as pas sorti une série, tu ne rachètes pas une série. Ça, c'est ce que je vais vraiment essayer de faire cette année. Donc là, il faut que je regarde combien j'ai entré de séries pour savoir combien il faut que j'en sorte le plus possible, le plus vite possible. Même si, là, très clairement, il y a des trucs que j'ai achetés et ils vont pas rester très longtemps dans la pile à lire. Pourquoi je bouge ça? Aucune idée. Voilà, donc ça on va mettre ça ici en attendant, c'est pour bientôt mais
On va pas calculer pour l'instant, je veux pas m'amuser à ça. Ça, de toute façon, faut que je trie tout ça, mais en fait, ça, j'ai pas besoin vraiment de les ranger, les autres, parce que je suis en train de parler des Yuri, par exemple, je vais tout lire en novembre. Pour présenter en novembre, pardon. Alors, je vais essayer de faire plus ou moins une pile à lire, en fait. Donc, Slice of Life et Clover Cinderella. Donc en fait, t'as presque la vidéo pile à lire du mois d'octobre. C'est dommage. Ça, ça va de côté. Ça, ça c'est autre chose, c'est les collecteurs. Je sais même plus où j'ai posé les collecteurs. Où sont mes collecteurs? Là. Ils sont là. Je ne vais pas vous casser la gueule. Attends, j'ai pas confiance. J'ai absolument pas confiance, les gars. Voilà. Donc ça, ça manque énormément, on s'en fout. Ah, je ne te l'ai pas présenté, ça d'ailleurs. Je l'ai lu il y a pas longtemps. La danse de la lune, de Kiyun. Ah oui, l'autre, c'est un manga de Kana. Bon, d'accord. Ça va, Tommy. Bon, en fait, il faut que je les mette de côté, vu que je les ai lus. Voilà. Le manga en Jap. Bon, on va le ranger à côté du manga en français, tout simplement. Voilà. Monsieur, le truc, là, tu veux bien te décaler. Merci. Ah, bah si, c'est vert. Oh, bah merde. Je pensais pas que le fond était vert pour le tome 1, mais en fait, si, tu vois, Jap, tome 1, français. Jap, français. Ouais, mais il y a peut-être des trucs à voir quand même. Ils sont peut-être différents. Alors, le manga de foot que je cherchais depuis tout à l'heure, en fait, je pensais qu'il était là, mais il est déjà là, et ce qui est très très bien, c'est Prince Eleven, de Kurokawa. L'auteur a une autre qui est disponible en France, en plus. Les promeneuses de l'apocalypse. Les deux yaoi qui attendront, très clairement. D'abord les yaoi de Anna, je veux dire. Et après, et le couvent des damnés, de toute façon, c'est pour là. Le couvent des damnés, petite, mais là. Les yaoi, on va vous mettre là. Parce que vous pouvez attendre largement. Vous allez attendre d'abord, je finis les Anna. J'ai trop de Anna en retard. Je vis d'abord Miana. Et hop là, le courant des années. Et manga de Akata. Manga de Akata, je ne sais même pas si je vais te lire, toi. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Le courant des années, de façon qu'on embarque ce week-end. Voilà. You. Bon. Et manga de Akata, bah, je sais pas où te mettre, donc on va te mettre comme ça. Bon, on va attendre. Est-ce que tu rentres? Oui. Alors, il rentre, mais il n'y a plus de place. Donc à un moment donné, il va falloir que je fasse quelque chose. Il va falloir. Ça serait bien. Que je pense que j'en suis capable? Absolument pas. On va essayer. On va prendre de bonnes résolutions pour cette année scolaire. Et on va éviter les conneries. Bon, mais déjà, en plus, là, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomes que j'ai acheté ce mois-ci et que je lis le mois prochain. Au revoir. 7, avec l'intégrale là du manga de foot. Au revoir, non? Cette vidéo achat manga est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu, parce que là, très clairement, à mon avis, c'est pas de mal à veille que je vais t'en faire une comme ça, parce que la semaine prochaine, certes, je sors sur Bordeaux, mais je vais être ultra raisonnable. Le seul objectif que j'ai en achat, c'est acheter le tome 2 éventuellement de ce qui reste de nos rêves, qui est donc un manga que je t'aurais présenté dans la prochaine ou la précédente vidéo, non, dans la précédente vidéo où je te fais ma pile à lire sur le mois de septembre. Donc j'ai ça à lire lundi, du coup demain pour moi, mais pas, enfin lundi de la semaine où toi tu vois la vidéo. Faut seulement que je lise le tome 1 pour savoir si j'achète ou pas la suite, et c'est tout ce que je dois acheter, il me semble. Donc voilà,
Très clairement, j'ai juste ça à acheter, voire peut-être autre chose, mais là, ça ne me revient pas tout de suite. Bref, toujours est-il, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc, essaye, s'il te plaît, de la partager un maximum quand même pour me soutenir et me faire plaisir. Et surtout, histoire de, hein, un peu qu'elle soit vue, cette vidéo où j'ai claqué quand même 100 euros quasiment en une journée. Voilà. Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux, le compte Vinted dans la barre d'infos, mes autres réseaux sociaux, le lien de code promo pour pas mal de sites, ainsi que les informations comme le matériel que j'utilise et aussi un récent compte Instagram pour les gens qui sont sur Bordeaux et qui aiment les mangas. Une précédente vidéo ici et une note que je te mets là. Et sur ce, à bientôt! Et n'hésite pas à me dire quels sont tes derniers achats!